C'est en regardant le générique de l'énorme succès cinématographique de ces dernières semaines que son patronyme m'a interpellé. Une petite enquête et une invitation plus tard, voici Alexis Manenti qui débarque, prêt à jouer le jeu du souvenir et de l'introspection, avec ou sans filtre. C'est ici que commence votre vie, Alexis. Et on va la retracer, cette vie, à travers les photos marquantes. Ouais. Qui ont été prises avant que vous naissiez même. Hein. On va se rapprocher un petit peu. Qui on a là ? Alors là, on a mon arrière-grand-père Ange Manint, qui est... Alors, je ne sais pas, mais je me laisse imaginer que c'est lui. Je reconnais un peu aux oreilles. Et c'est ça, lui c'est aussi, Appian. Du coup. Oui, et c'est lui ensuite là... En uniforme, puisqu'il s'est engagé dans l'armée volontaire et qu'il a fait l'armée, qu'il a fait la guerre de 14-18. Et suite à cela, il a été nommé. Il a gagné ses galons comme ça grâce à sa bravoure pendant la première guerre. Et c'est le premier de ma famille à avoir quitté Piana pour le continent, puisqu'après il s'est installé à Marseille. Il reviendra en Corse, lui. S'installer en tout cas, vivre en Corse. Non. Il reviendra que pour les vacances. Hein, non. Ouais. Il va être entre Saint-Étienne et Marseille, c'est cela ? Voilà, exactement. Ouais. Ange Manent. Parce qu'il va avoir un fils. Oui. Robert. Oui. Avec qui ça ne va pas super bien se passer d'abord, d'ailleurs. Hein. Non, il y avait des relations un peu conflictuelles parce que c'était quelqu'un qui était assez dur. Mais ça ne va pas empêcher votre grand-père de réussir parce que non. Robert, son fils, oui. Il va quand même être un grand mathématicien. Voilà, exact. Ouais. Il a été toujours attiré par les chiffres et il a été ingénieur et mathématicien. Mais on va parler justement des grands-parents. Et j'ai cette photo, je n'ai que cette photo. Sacré destin aussi. Mes grands-parents étaient croates. Un sacré destin parce que votre grand-mère, pendant la guerre, ouais. Elle va être condamnée à 100 ans de prison. Ouais. Non, c'est ça ? Ouais. Elle avait, dans sa ville, il y avait Mussolini qui devait venir dans la ville, donc il y a eu des affiches. C'était au début de la Seconde Guerre mondiale. Et elle avait jeté de l'encre sur les affiches de Mussolini et du coup, elle avait été attrapée, dénoncée par une de ses amies. C'était quelque chose dont on ne parlait pas. Et votre grand-père ? Et mon grand-père, lui, c'était une famille de résistants et il a été blessé. Il avait écrit aussi de nombreuses lettres à l'époque qui ont été ensuite publiées, puisqu'ensuite, à la fin de la guerre, les deux étaient nommés diplomates à Belgrade par Tito. Et mon grand-père était un peu considéré comme un héros de guerre avec tout ça. Et on a publié du coup ces lettres. On a publié ces lettres, voilà. On va revenir au Manent. Oui, là c'est mon père, François Manent, et c'est la période où il était archéologue. Je crois que c'est une photo au Brésil, ça. Archéologue, votre papa. Ouais. Il venait souvent en Corse. Alors il venait, lui, tous les étés en Corse. Ouais. Et après, bon, il y a eu un peu des histoires de famille qui ont fait que moi, on y allait un peu moins. Mais c'est lui qui m'a toujours appris à me rappeler mon identité corse, à m'attacher à certaines valeurs. Et il vous disait, vous êtes corse, les enfants, hein, n'oubliez oui, pas oui, ça. Oui, hein. Oui, c'est lui qui nous a toujours rappelé ça. Mais en même temps, avec une distance, c'était quelque chose qu'il fallait qu'on... Une pudeur aussi, c'était pas... Être corse, c'était pas forcément pour lui l'affirmer, c'était plus le savoir et se comporter avec des valeurs qui sont propres à ici, et voilà. Il m'a fait une rencontre, votre papa, c'est celle-là, et du coup, d'archéologue, il va devenir comme votre maman, en fait. Ma mère est née à Rijeka, en Croatie, elle a grandi à Belgrade, en ex-Yougoslavie. Et elle est venue faire du journalisme en France, elle était passionnée par la France. Et donc c'est là qu'elle a rencontré mon père et ensemble ils ont décidé d'étudier la psychanalyse et ils sont devenus psychanalystes l'un et l'autre. Un métier que ma mère exerce encore. Comment vous pourriez la qualifier, votre maman, quand on la voit comme ça? C'est difficile de... Ouais. Y a plein de choses, mais... Je dirais que c'est le courage et ne jamais se poser en victime, toujours aller avec force vers les événements de la vie.
et être à l'écoute, et aussi mettre de la poésie et une sorte de... Voilà, il y a aussi la mélancolie slave, une manière d'aborder de certaines choses difficiles de manière un peu douce, mais de les accepter aussi. Voilà. Elle est avec son fils, ouais. Là, Vladimir, votre frère. Ouais. C'est votre petit frère. Mon petit frère. On va avoir l'occasion de revenir avec ouais. lui, parce qu'on va aller avec vous. Ouais. Deux enfants, donc. Ouais. Et là, vous naissez où, vous ? Alors, moi, je suis né à Bagnolet, en banlieue parisienne. Et ouais. C'est assez émouvant de voir les photos en grand format. De se rencontrer comme ça. Comment on peut qualifier votre enfance ? Moi, j'ai eu une enfance très heureuse. J'étais choyé, gâté. Mon père nous emmenait dans plein d'endroits de culture, les après-midi au musée, et en même temps très libre, quoi. On avait le droit de monter sur la table, faire tout ce qu'on voulait. Même si c'était sévère, il y avait aussi une part de... on avait le droit un peu de faire des bêtises, ça faisait partie aussi de l'école de la vie, quoi. Bien, ce que je vous propose, Alexis, c'est qu'on va voir où va vous mener cette liberté. Parce que finalement, là, pour l'instant, on n'a pas trop d'indices. Hein. Allez, c'est par là que ça se passe. Venez. Alexis, prenez place. Vous allez vous laisser guider. Hein. Merci. Donc, on parlait de liberté. Oui. Et il va quand même y arriver quelque chose dans votre vie quand vous avez 16 ans, en 1998. J'ai mis cette photo-là. Oui. Alors, effectivement, vous n'avez pas 16 ans, mais c'est la photo de votre papa que j'ai. Qu'est-ce qui se passe en 1998 ? En 1998, c'est l'année où mon père est décédé. J'ai 16 ans. Et vous vous retrouvez quand même un petit peu seul. Et après ça... J'ai mis cette photo-là parce que vous vous retrouvez qu'avec votre frère, finalement. Ouais. Et avec ma mère aussi. Mais là, est-ce que vous savez, est-ce que vous vous retrouvez perdus tous les deux ? Qu'est-ce que vous vous dites, parce que vous parliez de liberté, là, quel est votre... Non, je... Perdu, on est... C'est... Disons que c'est un moment dans la vie d'un homme, quand on perd ses parents, c'est toujours un moment particulier. Est-ce que vous vous dites, là, maintenant, je sais ce que je vais faire ? Parce que j'ai mis cette photo volontairement, parce que votre frère, lui, aujourd'hui, il est cardiologue. Oui. Est-ce qu'il a toujours su ce qu'il voulait faire, ou pas ? Non, non, non. Non. Je pense que c'est venu petit à petit, sa vocation de... Il a fait médecine, et je crois qu'il a quand même voulu... Mais mon père est décédé d'un arrêt cardiaque, donc je pense qu'il y a aussi ça aussi. Et moi, ma vocation à cette époque-là, quand j'ai 16 ans, je ne sais pas trop ce que je veux faire. Non, à l'époque, qu'est-ce que je voulais faire ? Est-ce que c'est par hasard qu'on vous retrouve ici ? Alors là, ouais, là, c'est avec tout le collectif Courtrage-mai. C'est un collectif audiovisuel où on était... plus d'une centaine de membres. Et moi, je me suis retrouvé là parce que j'étais tout en bas, là, avec le bonnet. J'étais ami avec Romain Gavras. Il y a même Vincent Cassel tout en haut, là. Ouais. Et Vincent Cassel, qui est tout en haut, qui était un peu le parrain du collectif, qui est venu donner beaucoup de force, de son expérience. Et donc, je vous ai coupé. Donc, il crée ce collectif pour libérer des énergies, en fait, non ? Aussi, oui, c'est ça. Il a senti tout ça. C'est quelqu'un qui a toujours été tourné vers la jeunesse, vers la force de la jeunesse, puis vers l'esprit libre, l'esprit contradictoire. Il a toujours aimé l'irrévérence, aller vers des choses un peu... Mais là, quand même, Alexis, c'est quand même beaucoup des gens des banlieues, des quartiers. Hein. Il y a 28 nationalités différentes. Mm-hmm. Vous arrivez du 5e arrondissement. Mm-hmm. Comment vous êtes accueilli dans cette bande ? J'ai bien compris que vous êtes le copain de Romain Gavras, un des fondateurs, mais vous êtes dans votre monde, là ?
Ouais, je suis dans mon monde parce que c'était dirigé par, par autre chose que des conventions sociales, on va dire, qu'on nous imposait un peu. On se demandait pas d'où on venait, on se demandait pas de quelle nationalité on était, on se demandait pas les fiches de paye des parents, les trucs, on venait, on jouait. Et il y avait une sorte d'euphorie, de plaisir d'être ensemble, d'échanger. Après, Surtout que là-bas, vous n'êtes pas Alexis Manenti. À là-bas, vous êtes lui. Straight motherfucking baller. Part 2. Still baller. Ta gueule. Tu bouges pas, je t'ai dit. Dimitriou, exact. Alors, vous parlez quelle langue, là ? Alors là, c'est du serbo-croate. C'est une langue que je parle depuis que je suis jeune, parce que mes grands-parents donc, m'ont appris, ils ne parlaient pas le français, et quand je passais mes étés là-bas, ils m'ont appris cette langue. Et c'est ce personnage que Romain avait créé, qui était un jeune roumain venu à Paris tout seul et qui faisait voilà, un petit délinquant. Et c'est le rôle qu'il a créé. Et ensuite, il aimait créer des histoires et reprendre les mêmes personnages, il y a plusieurs courts-métrages dans lesquels j'interprète ce rôle. C'est mon premier rôle auquel je tiens beaucoup, vraiment. Et avec ce rôle, justement, vous allez explorer pour la première fois le métier d'acteur. C'est un hasard, en fait, si vous retrouvez là-dessus comment... Bah ouais, il vient me chercher, des fois, il vient me chercher le matin jusque dans mon lit parce que je veux pas me lever. Lui, il avait une culture de cinéma puisque son père est un grand cinéaste, ouais. Costa Gavras. Ouais, tu m'étonnes. Avec beaucoup de références, beaucoup de liberté. Et puis, je prends quand même beaucoup de plaisir à avoir ce moment hors de la vie sociale, hors de... Voilà, c'est mon petit jardin secret où je peux livrer d'autres choses, voilà, m'évader un peu, puis ça me plaît beaucoup. Et puis vous faites des rencontres aussi, hein. Ouais. J'ai mis cette photo là. On a bien compris qu'il y a Gavras, mais moi c'est Black qui m'intéresse un petit peu là, lui. Lajli. Ouais. Hein, Lajli que j'ai connu à cette époque, donc je crois que j'ai 17 ou 18 ans, qui est originaire de Montfermeil, des Bosquets, un quartier très difficile. Quartier qu'on dit sensible. Et voilà, le premier rôle que j'interprète, donc je suis Dimitriou, et lui, il est policier de la BAC. Ouais. Et après, là, 20 ans plus tard... On va savoir ce qui va se passer. On va pas anticiper, mais effectivement, là, c'est lui, le policier de la BAC, et c'est vous, le délinquant. Grâce à ça, on va vous retrouver là. Ouais, ça, c'est Cannes. Parce que Courtrage-Mé, ça va vite, quand même. C'est incroyable, cette énergie... Et un beau jour, avec toute la bande, vous vous retrouvez. Alors, c'est Vincent Cassel qui vous amène à Cannes pour la première fois. Ouais. Hein, on est toute une bande et puis on est un peu foufou. Quand vous y êtes, là, vous dites, c'est bon, là, je suis parti pour être acteur. Quel est votre état d'esprit? C'est juste, bon, je profite, la vie m'offre d'aller à Cannes, je profite. Ou vous vous dites, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire quand je serai grand? Bah non, ouais, quand on a 20 ans qu'on va à Cannes et qu'on voit tout ça, toutes ces strass, ces paillettes... qu'on rencontre les plus grands acteurs du monde, ouais. Qu'on est dans le cœur du volcan, on se dit je vais faire ça toute ma vie et puis ça va marcher, ça y est, on est dedans. Enfin, c'est ce que je pensais à l'époque. Je me suis dit ça y est, c'est tracé, ça va se faire, on va y aller, quoi. Sauf que le collectif, à un moment, mais justement, se disloque. Hein, il s'écroule de lui-même, hein, ce collectif. Ça s'arrête un jour, un beau jour. Il ne s'écroule pas. C'est-à-dire que c'est que y a des carrières personnelles qui se font, il y a des gens qui veulent avancer, qui ont des choses très personnelles à dire, et puis surtout les réalisateurs qui veulent faire leur propre film. Et vous vous retrouvez un petit peu tout seul, non ? Ou pas ? Bah, y a un moment où, oui, chacun prend un peu son chemin, et puis moi, je ne sais pas trop quoi faire. Vous faites des études ? Vous faites un peu des études d'histoire, des études de psychologie ? Je me suis inscrit, j'ai passé mon bac et après je m'inscrivais en fac, mais je passais pas plus loin que l'inscription. En général, j'y allais pas, j'avais pas ce courage-là. Donc j'ai fait plein de petits boulots et après, au bout d'un moment, je me suis dit quand même, faut que je réfléchisse un peu à ce que je veux faire.
Et donc j'ai décidé de m'inscrire au laboratoire de l'acteur sous les cours de l'enseignement de Célia Granier-Defer, qui est la fille du réalisateur. Et puis encore une rencontre, peut-être, vous allez me dire si je me trompe, mm-hmm. hein, mais il y a cette rencontre qui va être assez déterminante quand même à ce moment-là. C'est elle, Delphine Sagnier. Qui est la sœur de Ludivine Sagnier. Ah oui. Et qui est Ludivine, qui est la compagne de Kim Chapiron, donc c'est encore Courtrage-Mé, c'est encore la famille. Et elle me fait confiance, même si j'ai que ma bande démo, entre guillemets, Courtrage-Mé, et qu'à l'époque, notre réputation, c'était pas vraiment... disons que les gens que nous connaissaient, mais se disaient, bon, déjà, ils sont pas très sérieux. Il y a l'image banlieue, un peu, donc ils se disent, bon, on sait pas trop si on peut les amener sur des plateaux. Moi, j'avais que joué des rôles en serbo-croate, donc on savait même pas que je parlais français. Donc c'était un peu compliqué, et elle m'a donné ma chance, ouais. Et elle vous a trouvé un rôle, un jour, ouais. Elle vous dit, on t'attend, voilà. Sur ce tournage-là. Ouais, Mea Culpa, qui est mon premier un peu gros cachet. Enfin, mais voilà, j'avais 8 jours, c'était la première fois, j'étais payé 1000 balles par jour, alors que je... Enfin, 1000 euros, et à l'époque, alors que je travaillais pour la même somme pour un mois. Donc du coup, je me retrouve un peu dans ce bain-là, là. Donc j'étais fier de participer, même si je voulais aussi jouer en français, et que là, je joue aussi un voyou serbe. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, j'ai fait d'autres choses dont je suis moins fier, mais qui m'ont été très utiles, qui m'ont aidé aussi à apprendre mon métier d'acteur, voilà, à faire mes heures, à faire mes classes, à connaître un peu les plateaux de cinéma, les fonctionnements. Là, je pense que c'est parti. À ce moment-là, vous dites oui, c'est quand même parti, pas trop. Non, mais je commence à, en tout cas, je commence un petit peu à pouvoir en vivre, même si c'est pas. Dans le luxe. C'est pas dans le luxe, mais je vis de mon travail un peu. Et puis surtout, je peux commencer un petit peu. J'ai mis beaucoup de temps à dire je suis comédien, parce que pour moi, c'est quand même. Faut avoir fait pour pouvoir un peu dire qu'on. Mais là, je commence à dire oui, je suis comédien. Et ben, dans une autre pièce, on va voir comment vous êtes devenu vraiment comédien. Allez, suivez-moi, Alexis. Merci. Ce que je vous propose, c'est qu'on va commencer avec cet écran-là. On va faire un petit retour en arrière. C'était il y a 3 ans. Il y a 3 ans, il y avait ça. Bonsoir, mademoiselle. Contrôle de police. Faites quoi, là? Ben, on attend le bus. C'est quoi, ça? Je sais pas, c'est pas à moi. Où est le shit? J'ai pas de shit. Tu veux voir tes mains? C'est un shit, ça. T'as quel âge? J'ai 15 ans. Il y a 15 ans, tu fumes? Allez, allez, où la pas boulette? De me fouiller. Je fais ce que je veux, c'est l'état d'urgence. Si je veux, je te mets un doigt dans le cul, t'as compris? Sors la shit. Allez, pose ton truc, toi. Portable aussi. T'as pris ça où? En bas, des petits. Dans où un ça bâtiment. Quel bâtiment? Les Misérables, de Dajli. Oui. Le court-métrage. Ça va avoir un succès phénoménal, ça. Et vous en parliez tout à l'heure dans la pièce, c'est que là, le Lajli, justement, il vous confie le rôle du type de la BAC. Oui. Ouais, c'est... Laj, il a... Donc, il habite toujours à Montfermeil, au Bosquet, la cité des Bosquets, et il a aussi beaucoup filmé son quartier au moment des émeutes de 2005. Et il a fait ce qu'on appelle du Cop Watch. C'est un mouvement qui vient des États-Unis, c'est-à-dire qu'il filmait beaucoup les interventions de police. Et il a remarqué que la caméra calmait un peu les choses, souvent. Et donc, il a, jusqu'au jour où bon, il filmait tout ça, il a filmé une bavure qui a eu lieu dans son quartier. Et il a décidé de la diffuser sur Internet. Et suite à cela, il y a eu bon, un procès, etc. Des policiers qui ont été suspendus. Et il s'est inspiré de cette histoire personnelle pour écrire un court-métrage sur les bavures policières. Sur les violences subies dans les quartiers et le rapport de la police avec la population. Il est venu me voir, il m'a proposé de co-écrire. Et on a tourné ce court-métrage qui a été ensuite sélectionné au César et qui a eu beaucoup de sélections dans des festivals internationaux. C'est ce qui nous a permis ensuite de d'écrire le long-métrage et de le tourner. Ça m'a donné ça. J'en appelle à votre esprit d'équipe. La cohésion.
Sans cohésion, pas d'équipe. Et sans équipe, on est seul. T'as pas choisi la bonne équipe, mon pote. Contrôle de police. Vous faites quoi, là? On attend le bus. Vous attendez le bus, là? Ça sent le shit, ça. Eh, hey, c'est bon, on se met. Ça va, je gère. Je vous filme, vous avez pas le droit de faire ça. Arrête de filmer. Non. T'es contente, là? On reprend les mêmes scènes, quand même. Oui, il y a une scène qui a été reprise. On reprend à peu près la même histoire, mais avec un acte en plus. Mais avec une intensité folle. Vous dynamitez le cinéma français, là, avec ça. Vous êtes encore co-scénariste. Succès oui. Phénoménal, Les Misérables. Oui, ouais, c'est actuellement à l'affiche. Et puis, on ne s'attendait pas du tout à tout ça quand on a fait le film. C'est un film qui s'est fait avec peu de moyens. Ouais. On n'a eu pas beaucoup d'aide pour le faire. Donc, ça s'est fait beaucoup à l'énergie, avec des acteurs peu confirmés, donc avec des têtes d'affiche qui n'attirent pas forcément les gens. Et on était très surpris et très heureux de cette sélection à Cannes, et puis de ce prix. Prix du jury à Cannes, oui, ouais. Et puis ça va même aller plus loin, parce que vous êtes sélectionné, peut-être, mais en tout cas, vous êtes sélectionné sûr, on ne sait pas si vous ferez la cérémonie, des Oscars, ça va à une allure folle. Oui, le film a été choisi pour représenter la France aux Oscars, donc c'est un honneur, et puis maintenant, on va voir la suite. Comment vous vivez ça, Alexis? Ça crée des obligations, de la liberté, ça? Bah, moi, je vois plus de liberté que d'obligation. Ouais. Les obligations, elles ont toujours été là. Je pense que dans la vie d'un homme, on a besoin d'avoir des valeurs et des choses auxquelles se tenir. Après, moi, j'aime pas me dire que je vais être obligé d'avoir tel comportement par rapport à ci ou à ça. On a des responsabilités qui ne sont plus les mêmes. Et je crois que vous avez fait vôtre une des maximes de Vincent Cassel, qu'on a vu tout à l'heure dans la pièce, c'est de ne pas se cantonner à un rôle, d'offrir un maximum de diversité. Mmh. Et je vous propose d'aller vérifier ça sur cet écran. Allez, on écoute justement. Je suis ravi d'accepter ce prix au nom de moi-même. Moi qui suis même pas dans le showbiz. Moi, Nico Chova. Alors là, on a changé complètement de registre, on a même changé d'époque. Hein, là, effectivement, gros succès encore. Tout ce que vous touchez en ce moment, ça fait de l'or, puisque là, ce court-métrage est sélectionné au prochain César. Oui, enfin, il est dans les 20, on espère qu'il sera dans les 5. Vous avez dû vous régaler à faire ce... Ah oui, c'était beaucoup de liberté. Et le texte est incroyable, l'image est réalisée par un chef opérateur qui s'appelle Sean Price-Williams et que j'aime beaucoup. Je suis très fier d'avoir participé à ce projet. Vous êtes un vrai comédien, hein, vraiment. Vraiment. Et on va le voir peut-être, enfin certainement, en tout cas là, c'est quoi ça? Alors ça, c'est The Edit, c'est une série qui est réalisé par Damien Chazelle, qui est un réalisateur américain, qui a fait La La Land, qui a fait de nombreux films aux États-Unis, et qui est une série sur le jazz en France, où j'interprète, là je reviens à mes premiers rôles, un voyou serbe. Voilà, mais sauf que je joue en anglais. Prochainement sur Netflix. Ouais. Ah, c'est quand même un gage de succès. Et puis ça? Parce qu'il y a le succès, et puis il y a aussi quand même des films un peu plus confidentiels dans lesquels vous vous intégrez. Et ça, je l'ai mis pour que vous disiez deux mots, parce que je pense que c'est un super projet, ça. Ouais. Ça, c'est un film de Toumani Sangaré, ouais. Qui est un réalisateur franco-malien qui faisait partie de Courtrage-Mé. Donc c'est un film fantastique, d'aventure, qui a été fait avec très peu de moyens. Et sans l'aide du CNC. Oui. Est-ce qu'on pourrait le voir? Où est-ce qu'on peut le voir, celui-là? Alors, pour l'instant, il est sorti au Mali, mais je l'espère que bientôt, il va être visible soit sur une plateforme, soit peut-être dans les cinémas français. On se bat pour que ce film existe. Et super expérience de tournage. J'ai tourné au Mali, avec des acteurs là-bas qui étaient incroyables. Dernier écran, c'est l'écran de la Corse, celui-ci. On va revenir un petit peu aux origines, si vous le voulez bien.
avec, bon, toujours avec Sorine, par le cinéma. Hein. Voilà, je suis allé sur le Twitter de Laetitia Cast. Vous êtes aussi à l'affiche d'un prochain grand succès, vraisemblablement, j'imagine, sur Arte. Oui, exact. J'étais très heureux de, voilà, de rencontrer la Corse, de rencontrer des gens qui sont toujours ici ou d'autres qui sont venus travailler à Paris. Et puis quand vous en rencontrez, vous faites quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude, que vous n'avez pas l'habitude de faire, c'est des fois de demander un rôle. Est-ce que je me trompe? Vous l'avez cité son nom tout à l'heure, puisqu'on va vous retrouver à l'affiche de ce prochain succès, vraisemblablement, avec des acteurs bankable, ouais. Effectivement. Et là, lui, à Thierry Deperrette, c'est vous qui avez dit, qu'est-ce que vous lui avez dit d'ailleurs? Je lui avais dit, je l'ai rencontré dans un festival et je lui ai dit, écoute, j'ai pas l'habitude de demander des rôles, mais là je lui ai dit, voilà, je serais très heureux de participer, de faire même un buisson, n'importe quoi, dans un de tes films. Voilà, donc j'ai eu la chance qu'il m'offre un rôle sur ce film. Je suis très fier d'avoir travaillé avec lui. Et vous, vous jouez le rôle, on peut le dire un petit peu. La journaliste. La journaliste. Voilà. D'accord. Bon. On n'en dira pas plus. En tout cas, ça va certainement être bien. Et la photo pour finir, je vais mettre celle-là. Ça ne vous étonnera pas, je pense. Jimmy Cargese. Oui, c'est Cargese. Jimmy Cargese pour deux raisons. La première, c'est parce que votre papa y est enterré. Oui. Et donc, que vous revenez encore plus qu'avant. Oui, c'est l'endroit où je reviens. Où je reviens. Voilà, pour. Assez souvent, et je j'aime beaucoup cet endroit, et puis voilà, c'est un endroit très, très particulier. J'aime beaucoup ces deux églises qui se font face, et puis j'aime l'histoire de ce lieu, voilà, donc je me sens attaché aussi à cette ville. Vous revenez plus souvent maintenant en Corse ? J'essaye d'y revenir de plus en plus, ouais. Voilà. Et puis si un jour je peux m'installer ici, ça serait avec beaucoup de joie. Si vous le dites. J'espère qu'on n'attendra pas que vous installiez pour qu'on se retrouve, en tout cas. En attendant, on va faire un petit selfie, vous savez, pour finir l'émission. Allez. On fait toujours un selfie. Vous souriez. Voilà. C'était un plaisir de vous rencontrer, Alexis Mananti. Un plaisir. Merci beaucoup pour votre accueil. Oh, c'est gentil. On se retrouve du côté de Cargese ou ailleurs, un de ces jours. Maintenant, vous fréquentez la diaspora et moi aussi. On va se retrouver. Ouais. Au revoir, Alexis. Merci. Posez par là. Au revoir.